Et puisque vous étiez au stade, ces là se sont presque déroulés devant vous. Et vous n'avez pas dressé de rapport pour expliquer au moins dedans ce qui s'est réellement passé à l'adresse de votre hiérarchie? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas fait de rapport de ce que vous avez constaté au stade? Non, je n'ai pas fait de rapport. Pratiquement, non. Quand j'ai fait le compte-rendu, comme vous appelez, nous, l'information en voie hiérarchique, nous, on appelle compte-rendu. Quand j'ai donné le compte-rendu ce soir et que j'ai été instruit à le reprendre les gens pour un hôpital approprié, et je pense que pour moi, j'avais accompli une mission. Donc, vous n'avez fait aucun rapport, vous n'avez fait aucun rapport écrit? Un rapport par rapport à cet événement, non. Parce que c'était instantané. Mon rôle là ne méritait pas un rapport comme c'était une mission planifiée. Bien, en votre qualité de secrétaire d'État chargé du grand banditisme, des services spéciaux, de l'anti-drogue, à qui vous rendez compte de vos opérations, de vos activités? Monsieur le procureur, merci. Je disais hier que lorsque nous faisons des informations et que ces informations sont planifiées, la première personne que nous constatons est la commission d'une infraction, c'était le procureur titulairement compétent. À l'époque, je pense que les parquets d'alors peuvent le confirmer. Donc, souvent, si je viens au conseil des ministres, râlement d'ailleurs, c'est pour, avec un rapport, vous venez dire, alors, on a fait ça, en fait, on a besoin de tel moyen. C'est quand j'ai besoin de petits moyens, je vais là-bas. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de budget. Par rapport au procureur, je crois que ça, c'est sur le plan judiciaire. N'est-ce pas? Ouais. Et sur le plan administratif, parce que vous avez ces deux casquettes-là en tant qu'OPJ. Vous rendez compte à quelqu'un de ce que vous faites? C'est ce que j'ai dit. Je relevais d'une structure gouvernementale. Lorsque une telle chose arrive et que j'ai besoin de rendre compte, je passe directement au conseil des ministres, je fais mon compte rendu et par voie de rapport. Et je pense que le rapport là remonte par voie hiérarchique. C'est comme ça que j'évoluais, moi. Vous rendez compte à qui? Vous ne voulez pas dire ça? Non, mais monsieur, pourquoi vous relevez de quelqu'un? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Que vous relevez d'un supérieur? Si, mais... Vous avez quelqu'un à qui vous rendiez compte? Monsieur le procureur, je suis d'accord avec vous. Hein. On est d'accord? Oui. Sur le plan administratif, là, vous le savez, vous êtes OPJ. Absolument. Voilà, les OPJ nous le disent souvent. Quand ils font une activité, ils rendent compte au procureur, ça c'est sur le plan judiciaire, mais sur le plan administratif, ils ont une hiérarchie. Oui, là, mais, vous le savez, oui, vous ne voulez pas nous dire ça? Oui, je suis d'accord avec vous. Bien, qui vous rendez compte sur le plan administratif? Je voulais simplement vous dire, si vous qu'on se comprenne sur la question, moi j'étais déjà au sommet. J'avais des services. Quand ils constatent les choses, je suis informé. Non, ma question est simple. Oui. Voilà. Et moi écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la question elle est simple. Hein. Sur le plan administratif, vous rendez compte à qui? Au gouvernement. Vous ne pouvez pas répondre, vous êtes libre. Au gouvernement, parce que j'étais membre du gouvernement. Ah, au gouvernement? Oui. Tout court? Oui. Donc vous attendez souvent, même si quelque chose se passe au cours de la semaine, vous attendez le conseil pour faire le compte-rendu? Non, si quelque chose se passe au cours de la semaine, si c'est au cours de la semaine, quelque chose se passe, je suis informé. Il y a l'arrivée d'un bateau ou bien il y a une grande saisie de cocaïne et autres là. Alors, les rapports me parviennent. Ce n'est pas moi qui fais en fait le rapport. Il y a le chef de mission, il y a le chargé de dossier. Quand ils font la mission, ils envoient d'abord, quand le procureur est saisi, pendant que le dossier continue de façon procédurale, qui montre l'information là, je peux rendre compte soit à Sekouba ou au Premier ministre ou bien à Dadis, si le premier que je rencontre. Bien, votre service n'a jamais obtenu de dotation en armes, jamais. Non, votre service n'a jamais été doté d'armes. J'ai dit oui, c'est quoi? J'ai dit que la patrie d'Uine était armée. On peut pas se procurer de l'arme si on n'est pas armé. D'accord. Et à quelle occasion vous utilisiez ces armes-là? Un nocturne, hein? À quelle occasion vous utilisiez ces armes? Bon, comme vous l'avez vu une fois, mais à chaque fois d'ailleurs à l'époque-là, dans les attaques des stations auto-là, alors les gens venaient pour intervenir. Et c'est quoi autrefois, j'ai dit que j'ai perdu des éléments ou d'autres ont perdu les oreilles. Et où les attaques à main armée dans les domiciles des gens, on venait pour vraiment réagir. Donc les gens faisaient des missions, mais moi je sortais pas la nuit dans tous les cas, comme vous le savez, mais les hommes sortaient comme ils étaient armés, et puis la coordination radio était là et tout, et ça marchait.
Bien, vous n'avez jamais appris que des corps ont été retirés à l'hôpital Donka et Ignace Dine? Des corps. Vous n'avez jamais appris ça? Je n'ai pas compris, monsieur. Que des corps ont été retirés au niveau de l'hôpital Ignace Dine. Que les corps ont été retirés? Oui. Au des corps, de oui, qui étaient au niveau des morgues. Pas du tout. Vous n'avez jamais appris ça? Pas du tout. Le corps a été retiré à Donka? Non. Vous n'avez jamais Même appris. Dans ma déposition, je pense que je n'ai aucune idée là-dessus. Mais si c'est ça, c'est au niveau de la déposition alors. Merci, monsieur le président. Je vous remercie, monsieur le président. Juste quelques questions de clarification. Parce que nous avons suivi le colonel depuis bientôt 2 jours, mais il y a beaucoup de déclarations contradictoires, soit dans ses explications ou alors par rapport aux témoins qui ont été cités dans cette affaire et qui ont comparu devant les juges d'instruction. La première question que j'aimerais poser au colonel, c'est: vous avez parlé de... Parlant de la nuit du 27, quand je vous ai posé la question hier, vous aviez dit que vous veniez très rarement au camp. Cela serait dû au fait que vous étiez en conflit ouvert avec M. Toumba Diakité. Est-ce que vous confirmez cette déclaration, mon colonel? Oui. Très bien. À quelle fréquence alors vous fréquentiez le camp? Je ne saurais te le dire, quelle fréquence. Est-ce qu'en tant que membre du CNDD, étant donné votre position au sein du gouvernement, est-ce que vous ne rencontriez pas le président Dadis fréquemment au camp? Pas du tout, lui-même il est là. Non, la question c'est à vous, c'est pas au président Dadis. Pour l'instant, c'est vous qui êtes à la barre. Je dis pas du tout. Comment? Je dis non. Très bien. Alors... Parlant des témoins qui ont été entendus au niveau des juges d'instruction, hier mon confrère a parlé d'un certain Sori Kondé, qui est un des membres de votre service, n'est-ce pas? Oui. Il a également parlé du général Toto Camara, Mamadouba Camara, et qui était un accusé comme vous, mais qui malheureusement nous a quittés. Et tous ces trois indiquent, pour ce qui est du colonel et du général Mamadouba Camara, il a déclaré officiellement dans son procès verbal d'interrogatoire que la réunion qui a précédé la planification et l'exécution des tâches pendant le 28 septembre, que au cours de cette réunion, vous étiez présent. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je l'ai déjà répondu. Reprenez, mon colonel, s'il vous plaît. J'ai répondu, maître. Vous avez dit quoi? Vous êtes un accusé. N'oubliez pas ce état de fait, mon colonel. Non. Quand on vous pose des questions, vous les répondez. C'est ça. C'est vous qui êtes à la barre. Allez-y. On y va. Voilà. Le général a indiqué dans son procès verbal que la veille, c'est-à-dire le 27 septembre, la nuit, vous étiez au camp en présence de M. Toumba Diakité. Est-ce que cette déclaration est vraie? Pas du tout. Très bien. M. Claude Pivi a également indiqué dans son procès verbal d'interrogatoire que c'est vous qui étiez chargé du maintien d'ordre. Est-ce que vous reconnaissez cette situation? Pas du tout, parce qu'il est là. Très bien. On sait tous que vous aviez un différend avec M. Toumba Diakité. Est-ce que vous aviez des antécédents avec M. Sori Kondé, le général Mamadouba Camara et M. Claude Pivi? Est-ce que vous avez des antécédents? Antécédents par rapport à quoi? Si vous étiez en conflit. Non. Alors pourquoi Claude Pivi déclarerait que vous étiez chargé du maintien d'ordre le 28 septembre? Pourquoi, à votre avis? Je dis que c'est la méconnaissance des structures opérationnelles. Donc comme il est là, certainement la confrontation en sera. Non, c'est vous qui êtes là pour l'instant. Je dis qu'à la confrontation, je suis prêt à être confronté à lui. Avant la confrontation, on vous pose la question. J'ai dit non, je l'ai déjà dit non, maître, s'il vous plaît. Donc vous niez ça, vous niez. Vous appelez vous nier. Vous contestez cette déclaration. J'ai dit non. Vous n'appelez pas. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je ne m'adresse pas à vous. Maître, calmez-vous. C'est pas à vous que je m'adresse.
Maître, il a répondu, calmez-vous. Il a répondu. Mais ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté, monsieur le président. Posez d'autres questions. Alors, est-ce que vous contestez cette déclaration? J'ai dit non. D'accord. Est-ce que vous êtes en conflit ouvert avec Claude Pivi? Le nom, là, c'était ça, non? Comment? Le nom, c'est ça. Et avec le général Mamadba Camara? On n'était même pas liés. Vous n'êtes pas liés. Donc, est-ce que ces personnes avaient une quelconque raison de faire des déclarations qui vous incriminent gratuitement? C'est une question? Oui, bien sûr que c'est une question. Alors, toutes ces déclarations liées ou relatives même à toutes ces infractions sur ma tête là, c'est des déclarations. Non, suivez-moi. Pas de ça. Pour te dire que. S'il vous plaît, mais laissez-moi écoutez, te répondre. Je vous pose des questions, vous répondez. Mais s'il vous plaît. Ça, ce n'est pas une question. C'est une monsieur Camara, maître. Monsieur Camara, c'est ce que je suis en train de vous dire depuis 2 à 3 jours maintenant. Répondez à la question qu'on vous pose. Arrêtez de faire trop de commentaires ou surtout des commentaires qui n'ont pas trait à la question posée. Répondez directement à la question. Je vous ai dit vos droits. Tout ce que vous pouvez, c'est de répondre ou de dire « je ne réponds pas ». Mais vous ne pouvez pas obliger la personne à reformer la question à votre guise. Donc, répondez aux questions. Arrêtez de faire trop de commentaires, s'il vous plaît. Est-ce que, en l'absence d'antécédents et de conflits ouverts entre vous, M. Claude Pivi et le feu général Mamadba Toto Camara, est-ce que ces officiers avaient une quelconque raison de vous accuser gratuitement? C'est eux qui le savent. C'est eux qui le savent? Ouais. Très bien. Est-ce que c'est logique de votre point de vue? De mon point de vue, je dis que c'est eux qui le savent. Ils viendront se justifier. Très bien. Vous êtes en train de vous embarquer dans la négation. C'est votre droit. Maintenant, monsieur le président, je voudrais poursuivre. J'avais une autre question. C'est concernant la présence des éléments de... Vous savez, les éléments antidrogue, parfois on les appelle les éléments de Kéboro, n'est-ce pas? Dans tous les PV, on dit les éléments de Kéboro. N'est-ce pas? J'en suis fier. Très bien. Merci. Est-ce que, en déclarant à la barre qu'il y avait au moins 4 pick-up qui servaient à maintenir l'ordre en deuxième ligne, est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai dit qu'il y avait 4 pick-up qui sortaient par jour. Moi, je parle du 28 septembre. Non, mais ce que j'ai dit, ce que je veux dire, je ne peux pas confirmer quelque chose. Il a dit que ceux qui sortaient par jour et par nuit. Est-ce qu'on peut revenir? Est-ce qu'on peut revenir sur le cas du 28 septembre, s'il vous plaît? On est là-bas. On est le là-bas, 28 septembre, vous avez parlé d'une patrouille dont le rôle était de sécuriser, selon vos termes, les biens et les personnes après le passage des manifestants. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai bien dit que c'était pour protéger derrière la manifestation, effectivement. Vous confirmez? Bien des choses, oui. Ok. Quelle définition vous donnez au maintien d'ordre? C'est quoi le maintien d'ordre pour vous? Je ne suis pas un officier de maintien d'ordre, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ouais. Très bien, moi je vais vous l'apprendre alors. Ok. Voilà. Le maintien d'ordre est l'ensemble des comportements et des actions visant à maintenir la paix civile. Est-ce que vos éléments qui étaient ce jour-là, au stade du 22 septembre, était là pour maintenir la paix et la quiétude sociale? Je dis que le chef de l'équipe... S'il vous plaît, colonel, ne jouez pas la diversion. Répondez à ma question. Est-ce que le fait que vos éléments protègent les biens et les personnes pendant la manifestation ne constitue pas une question, n'est pas un moyen de préserver la paix sociale, oui ou non? Si, c'est un moyen. Alors, dans ces conditions, on peut déclarer et affirmer haut et fort que vos éléments ont participé au maintien d'ordre, oui ou non? Non, chacun a son rôle dans un maintien d'ordre. Il ne faut pas me pousser à affirmer quelque chose. Très bien. Je ne vais pas insister outre mesure. Je ne vais pas insister. On y va. Mais, il est clair qu'aujourd'hui, vos éléments ont participé au maintien d'ordre au cours des événements du 28 septembre. Cela est constant. Vous ne pouvez pas le nier, mon colonel.
Oui, monsieur le président, oui. En fait, monsieur le président, je voudrais avoir un éclaircissement concernant monsieur Dalin. Vous avez dit que vous avez porté secours à monsieur Dalin, vous l'avez conduit dans votre voiture. Comment vous avez procédé? Est-ce que c'est vous qui l'avez pris par la main ou c'est un de vos agents qui l'a pris par la main pour le conduire à votre véhicule? Je dis bien, bel et bien, que c'est moi d'abord qui suis venu le chercher, en faisant, et quand le faisant monter dans la voiture, je pense que c'est les agents qui l'ont fait monter. C'est pourquoi Baouri dit même qu'il y avait même le garde-corps de qui. Moi, je n'ai pas observé, c'est moi qui conduisais. Ceux qui l'ont pris pour mettre dans la voiture, je ne sais pas qui, mais c'est moi qui l'ai envoyé pour nous voir la voiture. Je n'ai rien entendu. Ceux qui l'ont mis dans la voiture, prendre le main dans ma voiture, parce que c'est moi qui conduisais, je ne sais pas. C'est mon garde-corps, il était là et il y avait d'autres agents. Plus le garde-corps, je ne sais pas, de Sidiya, comme le Baouri a dit, mais je ne l'ai pas vu. C'est pas lui qui l'a dit que c'est le garde-corps qui a aidé les autres pour le faire monter dans la voiture. Mais comme c'est moi qui conduisais, moi j'étais dedans. Mais c'est moi qui les ai pris au lieu de la chose, jusqu'au niveau de la voiture. Est-ce que c'est un de vos agents qui a porté ce Loudalin au dos pour le conduire à votre voiture, oui ou non? Ça me l'air que c'est le garde-corps, mais moi je ne peux pas l'affirmer ici. Mais il semble que c'est le garde-corps, pas sur mon dos quand même. Mais c'était sur le dos d'un de vos éléments. Oui, garde-corps, oui. Alors, pourquoi vous avez déclaré hier que vous étiez rentré seul au stade pour sauver les leaders? Pourquoi? Non, quand je dis seul, par rapport à mes hommes, comme vous dites sur le pick-up là, c'est par rapport à ça. J'ai toujours dit que je marche avec mon garde-corps et le chauffeur. Ça, c'est une affirmation. Mon colonel, vous avez déclaré ici hier que pour rentrer sauver les leaders, vous étiez seul, oui ou non? Même si on dit ça à quelqu'un qui n'aime pas, je ne sais pas qui, on ne peut pas dire à un chef militaire qui vient avec un garde-corps, tu gardes la voiture, tu coupes pour rentrer, et que les gens ne te suivent pas pour t'accompagner, mais ton garde-corps ne te suit pas. Non, mon colonel, je suis désolé. Quand d'accord. Vous dites que, donc, vous êtes façon, seul, ce que vous êtes seul. Ce que j'ai dit, je l'assume. Si le garde-corps pour vous, c'est des hommes, ça, ce n'est pas des hommes. Ça, c'est des faits, c'est des gens qui marchent naturellement avec nous. Mon colonel, vous avez affirmé ici, et à la vidéo aussi, hein, vous avez dit ici que vous êtes rentré seul. Vous avez pris la responsabilité de soldat. Vous avez assumé votre rôle de soldat pour aller sauver les leaders, oui ou non? Est-ce que j'ai dit que je n'avais pas de garde-corps? Est-ce que je n'ai pas dit avant que je marchais avec un garde-corps et un chauffeur? Vous n'avez pas dit que vous êtes rentré avec votre garde-corps? C'est ça, c'est ma réponse. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, est-ce que maintenant vous vous rétractez et maintenant vous maintenez la déclaration suivante? Je suis rentré au stade avec mon garde-corps. Est-ce qu'on peut conclure à ça? De toute façon, ma déclaration en fait foi. Laquelle? Parce qu'il y a plusieurs déclarations. Il y a celle qui est contenue dans le procès verbal d'interrogatoire dont vous contestez une partie. Celle que vous avez tenue hier, vous avez contesté une partie et vous l'avez modifiée ce matin. On va prendre laquelle, mon colonel? Maître, ne pensez pas que je modifie mes déclarations. Comment? J'assume ce que je dis. On est d'accord? Il y a trois déclarations. On prend laquelle? Je n'ai qu'une seule déclaration. Il y en a monsieur, trois. Monsieur Camara, ouais. Vous êtes rentré au stade avec qui? Naturellement avec mon garde-corps, comme je l'ai dit. Donc c'est aujourd'hui que vous le dites maintenant. D'autres questions? Oui, monsieur le président. En fin de compte, monsieur mon colonel, vous étiez combien? Vous étiez avec combien d'agents dans l'enceinte du stade? Et au niveau de la cour du stade, vous étiez combien? Vous étiez avec combien d'éléments? Je ne peux pas te le dire. Je n'ai aucune idée par rapport si un groupe m'a suivi ou pas. Mais un groupe vous a suivi? Non, je ne peux pas le savoir parce que moi je courais. Comment? Je sais pas, je ne peux pas te dire exactement avec combien de personnes m'ont suivi pour rentrer, pour aller vers m'aider à accomplir cette mission. Même le garde-corps, eux-mêmes, ils disent qu'ils ont aidé les gens pour mettre dans la voiture. Si moi, j'avais un monde fou derrière moi, le garde-corps de Sidiya, comme Baouri le dit, parce qu'il était blessé, mais il était vraiment conscient, il ne peut pas dire que c'est lui qui les a aidés, qui a aidé les autres pour arranger les leaders dans la voiture. S'il y avait un monde fou derrière moi, le garde-corps ne serait pas là. Donc, ce qui est sûr et certain, je reconnais que je suis venu avec mon garde-corps, parce que ce jour-là, je marchais avec lui. Et ça, c'est naturel. Je n'ai pas besoin de le compter. Car je sais qu'à partir de ce grade-là, on a vraiment un garde-corps derrière. Voilà, et je voudrais terminer par une question qui vous a déjà été posée.
Est-ce que pendant toutes ces années, vous n'êtes pas porteur d'une arme? Vous n'avez aucun pistolet avec vous? J'ai déjà répondu à la question. Non, reprenez. Je ne sais pas. Donc, depuis que vous êtes gendarme, vous n'avez jamais eu une arme? Il dit, je ne sais pas. Entre les déclarations des témoins qui ont été entendus au cabinet d'instruction, les parties civiles qui ont été entendues et votre déclaration, laquelle devrait être retenue et faisant foi, laquelle est digne de confiance, mon colonel? Reprenez. J'ai dit, 5 témoins affirment pour les uns que vous étiez présent, que vous avez participé à la réunion préparatoire pour la planification des massacres du 28 septembre. D'autres disent que vous êtes celui qui était chargé du maintien d'ordre au stade. Une troisième catégorie vous indexe personnellement pour avoir ouvert le feu sur des manifestants. Est-ce que, avec toutes ces déclarations, on peut vous croire, mon colonel? Je ne sais pas, parce que nous sommes devant la cour. C'est au président de l'apprécier et comparer les preuves pour voir qu'est-ce qu'il veut dire après. J'en ai terminé, monsieur le président.